Salut à tous les amis, c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui sur Sport. Alors, toujours en compagnie de Emigrator, ça fait du bien de le retrouver, ce cher Emigrator. Et aujourd'hui, on va essayer, je dis bien essayer, de terminer la phase créature. Alors, sachant que, à vrai dire, c'est... une phase que j'ai jamais dépassée, enfin dans mes jeux perso, disons, j'ai toujours joué, j'ai jamais dépassé la phase créature, ce qui vous prouve que j'ai pas forcément joué énormément non plus à sport. J'ai joué 4-5 heures avant. Alors on va essayer. Nous on a 50 points de vie, ouais, c'est pas des niveaux. Alors. Ils sont marrants, eux. Ils sont rigolos. On va essayer d'être copain avec eux. Ça peut être sympa. Alors, chant. Même si on n'est pas vraiment une espèce... c'est quoi comme action, ça? Ouais, ça, c'est danse, à mon avis. Ouais, on va se faire éclater. Tant pis. Vous allez droit à l'extermination, les cocos. Voilà, alors j'ai utilisé ma compétence pour un peu les disperser, pour éviter qu'on se retrouve à se battre à 40 dessus. Voilà. Voilà. J'en ai un qui est mort dans ma meute, on va se replier. Ah non, j'aurais dû recruter un autre. Je pouvais recruter un autre mec dans ma meute et je ne l'ai pas fait. Allez. Allez, c'est la guerre là. Est-ce qu'on est toujours... Il y en a un qui est mort. On va s'enfuir. On va s'enfuir pour l'instant. Parce que là, on est un peu mal en point. Ils nous poursuivent. Ah, je suis bloqué par un arbre. Non! Voilà. Là, je suis en furtivité. Je devrais pouvoir m'en sortir. Je cherche le nid. Mon nid qui est là-bas. Voilà. Pour me régène. Voilà. Et puis je vais essayer de manger quelque chose aussi. Ah, donc en fait ça m'a pas du tout restauré ma faim. C'est un peu embêtant. Lui, on va aller le manger. Mais, allez! J'ai l'impression qu'il y a un problème avec mes compétences parce que ça fait jamais ce que je veux. Voilà. Donc, mange. Maintenant. Parce que sinon, on va mourir. On a 188 points d'ADN. Alors, on va... recruter à nouveau des copains dans la meute. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai été un peu présomptueux sur mes chances de victoire. Je vais regarder si je peux pas éventuellement améliorer encore des petites choses sur ma créature. Il y a vraiment un problème avec ses bras. Hein.
Il y a vraiment une démarche un peu étrange. Je vais essayer d'arranger ça aussi. Je veux pas non plus passer 25 ans dans l'édition de création. Le but, c'est quand même qu'on finisse cette phase de créature un jour ou l'autre. Puisque c'est après vraiment que le jeu prend une tournure de gestion. Ah. On a d'autres choses qui sont assez top. Je vais attendre d'avoir suffisamment de choses pour... ouais, je vais encore attendre. Je vais juste essayer de régler ce problème de bras là qui commence à m'énerver un petit peu. Comment tu te déplaces comme ça avec des bras là? Ah, c'est mieux, hein. C'est mieux. Bon, voilà, alors on va juste faire ça. Je vais attendre d'avoir plus de points d'ADN pour vraiment acheter des trucs vachement cool. Devenir vraiment une bête furieuse. Allez, allez. Ah, on va migrer. On va migrer à nouveau. Certaines générations, en fait, on migre, j'ai l'impression. C'était pas vraiment dans mes plans, mais bon, pourquoi pas, au moins on rencontrera d'autres espèces. Ouais. Alors, voilà. On va grandir. Toi, j'aimerais bien que tu viennes avec moi rejoindre ma meute. Voilà, comme ça on va gagner des points d'ADN. Alors, je pense que la migration se fait par là-bas. J'ai du mal avec la carte, hein, quand même. Ouais. Alors, quand je vais par là, ça me dit que c'est ailleurs. Bon. Je vais essayer par ici et puis on verra bien. Je suis pas très rapide, hein, je suis désolé. Ouh, lui, il a 250 points de vie. On va peut-être éviter de se le farcir. Quoi qu'on ait 3, on pourrait tenter le coup, mais j'ai pas envie de mourir. Allez, on escalade la montagne. C'est pas la phase la plus. Ah, eux, on va les chasser. Pour parce qu'ils sont faibles, tout simplement. Donc le rugissement pour les éloigner, pour pouvoir se les faire un par un. Faut vraiment que je spamme la morsure parce que c'est mon attaque la plus puissante. Je vais manger un peu pour régène. Voilà. Et on va se charger de lui. Hop. On devrait s'en sortir sans problème. Normalement. Non, on va pas s'en sortir encore une fois. On va pas s'en sortir. Bon, faut vraiment que je trouve un nouveau nid avant toute chose. Bon, toi, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver. En plus, va falloir qu'on mange pour régène. Mon avis, on finira pas la phase créature cette fois-ci. Je suis vraiment un peu lent, je suis désolé. Eux, ils sont faibles, mais on n'est plus que deux. Donc, je veux vraiment essayer de trouver un nouveau nid avant toute chose, avant de chasser d'autres proies. Apparemment, on ne doit pas être trop loin, je pense. Cela, on n'est plus. On est un peu faiblard quand même. Ah voilà, oui, là on a le nid qui est là-bas.
Donc on va y aller. Alors eux, ils sont hostiles apparemment. On va éviter de passer près d'eux. Hop. Je mets notre compétence furtivité. On a du mal à se déplacer. Je sais pas à quoi c'est dû. Faut que je change de jambe. Hein. C'est pas possible. Puis qu'est-ce qu'on est lent? Qu'est-ce qu'on est lent? Bon, sinon, la famille, ça va bien. Tout va comme vous voulez. Le décor m'empêche. C'est la meute en fait. Parce qu'on est attaché à la meute. Et les déplacements sont pas très, très pratiques. Voilà, alors, on a un nouveau nid, on va gagner de l'ADN. Ça, c'est bien. On va avoir de nouvelles espèces à chasser, ce qui va nous permettre d'évoluer encore plus. Vous voyez que là, on a un autre biome, si on veut parler en termes Minecraft, si on veut, mais c'est un peu l'équivalent, hein, c'est un autre biome. Voilà, les générations futures y naîtront. C'est super. Je vais faire une petite sauvegarde. Pour être sûr de pas perdre la progression, c'est impressionnant comme le temps passe vite sur ces vidéos. Ça fait déjà 10 minutes de vidéo et on n'a encore pas fait grand chose. On a trouvé le niveau 5 de la charge. On va avoir besoin de beaucoup. On a trouvé des pattes. Il faudrait vraiment que. Alors, toi, tu vas aussi venir avec nous. J'ai besoin d'une meute compétence. Compétente, faudrait vraiment qu'on améliore nos pattes pour aller plus vite. Allez, hop, on danse. Voilà. Et toi, c'est pareil, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Hop, la pause. Et voilà, maintenant on a on est un peu plus paré à l'avenir. Alors, là-bas. Allez, on va se les faire. Un spécimen isolé, c'est juste ce qu'il nous faut. Hop, hop, hop. Allez, mort. Là, c'est pareil. Morsure. On alterne morsure et frappe. C'est difficile de s'y retrouver parfois avec la meute. Il faut qu'on en tape 5. Ah, ça, j'aime pas trop ça qui vient vers moi. Non, 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 va ailleurs, va ailleurs. Retraite, les gars, retraite. J'ai pas envie de me faire. Par ce mec là-bas, là, le gros insecte, là, je le sentais vraiment pas. Allez, charge. On a perdu. Ma meute s'est fait dézinguer. Et moi, je suis en train de me faire dézinguer aussi. Oh là là là, c'est dur hein, quand même. On a du mal. On a du mal. Et j'ai plus personne. Ils sont tous morts, mes amis. Ouais, je vais me le faire tout seul. Je pense qu'il est tout seul, de toute façon, là, pour l'instant. Allez, charge. Ouais, on va le manger. C'est ce qu'on est parti faire. Le monde est de plus en plus peuplé et de plus en plus dangereux quand même. Hein. Mais là, on va aller chercher des. Des nouvelles améliorations tout de suite. Voilà. Alors. Il faut encore que j'en chasse quelques-uns, mais apparemment, là, je les ai quand même plus ou moins exterminés. Donc. Je vais aller me chercher une bonne capacité parce que là, je fais pas assez de dégâts. Donc, je vais aller évoluer un petit peu.
Parce que je fais pas assez mal, hein, c'est terrible à dire, mais je vais peut-être revendre des capacités sociales qui me servent finalement pas à grand-chose pour vraiment. Ah, j'avais des éléments ici, j'aurais dû regarder ce que c'était. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, en tout cas, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Lentement, mais sûrement, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui apprécient beaucoup cette série. C'est vrai que c'est assez sympa. De toute façon, c'est le jeu fun, le jeu rigolo de la semaine, parce que les autres sont vraiment plus sérieux. Donc voilà, on a vraiment des choses qui sont sympas. Alors, par contre, faudrait que je revende des choses qui sont pas très utiles. Genre le poison. Pff, en même temps, c'est pour 25, mais. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Je vais déjà revendre ça. Et je vais. Enfin, ça, c'est frappe santé niveau 4. Là, je suis frappe niveau 1. Et santé, je suis niveau combien? Niveau 5. Alors. Je vais garder ça parce que ça c'est vraiment une. Voilà, et évidemment je peux plus rien acheter d'autre. Niveau jambes, est-ce que j'ai pas des choses qui me permettraient d'aller un peu plus vite? Vitesse niveau 1. Non, de toute façon c'est tout vitesse niveau 1. C'est des mains. Donc non. Et on va écouter, on va encore prendre quelque chose d'agressif. On va changer ça pour des fangs. Et on sera bon. Déjà, on aura une frappe plus puissante, niveau 4. Ça va transformer donc notre, sera notre attaque la plus puissante. Ce sera pas mal. Alors le problème, c'est que voilà, comme je joue vraiment agressif, j'ai pas vraiment d'alliés et donc je peux pas jouer sur les compétences de d'autres espèces. Donc je suis obligé un petit peu, si vous voulez, de recruter chez moi et donc finalement je suis un peu moins varié. Allez, viens là toi, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Du coup, je suis un peu plus faible éventuellement. Je vais essayer de recruter lui, voilà. Enfin, recruter entre guillemets. Hop, on danse. On a l'air de gros débiles. Cool. Et toi, viens avec moi aussi. Hop, on danse. Et quand même, on a plutôt un sacré déhanché, hein. Je trouve que sur le dance floor, on doit pas mal assurer. Lui, il est avec moi. Lui, il est avec moi. Ok, on est trois. C'est parti. Ah, je vais récupérer les bidules qui sont là. Crachat 4. Et il y en a un gros ici. Je pense que c'est. Malépique crachat 5. Ok, alors ça c'est pas mal. On essaiera de voir ça un peu plus tard. Là il y a quelque chose aussi. Mais pour l'instant on n'a toujours pas. On a vraiment des points d'ADN. On n'a rien du tout. Saut 5, danse 4, vitesse 4. Alors ça, ce serait pas mal à mettre parce que. Bah, on a vraiment besoin de. Oula, eux ils sont pas. Content du tout. Mais avec frappe, on va les. On fait vraiment plus de dégâts là, vous voyez. Ouais, bien. Hop, on mange pour se régénérer. Il faut qu'on en chasse encore 4. Faut qu'on en chasse vraiment de plus en plus à chaque fois. Donc c'est. De plus en plus dur. Ah, il y a déjà des mecs à l'air spatial. Ça, c'est nous plus tard. Bon, on va bien se régénérer tous. Hein, éviter de mourir bêtement. Je sais pas ce qui se passe là, mais je crois qu'il y a un vaisseau qui est en train d'enlever des créatures.
J'espère qu'il va pas m'enlever moi, ce serait ballot quand même. Il n'y a plus rien à bouffer là? Oh, on n'est pas encore full life. Hein. On va aller au Nice se régène et après on va continuer notre petite guéguerre contre. Voilà, 45 contre ceux qui sont là-bas. C'est vraiment pas facile d'utiliser le vol et je suis vraiment très lent. La prochaine priorité, c'est vraiment d'augmenter la. Mais ils sont tous enlevés par les extraterrestres là. Hop là, hop là. On a gagné quelque chose, on va le manger. Hop, on va encore en tuer 2-3. Enfin, ceux qui sont là en fait. Vous voyez que la frappe, elle fait vraiment beaucoup de dégâts, frappe niveau 4. Donc ça, c'est vraiment sympa. Toi, tu crois que tu vas t'en sortir, il n'y a pas de répit. Même les bébés, ils meurent. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'espèces. Celui-là, je dois encore en tuer un, mais j'ai plus l'impression qu'il en reste. C'est quand même assez embêtant. Juste que j'attends qu'il respawn peut-être. Enfin bon. On avance quand même assez lentement, c'est assez énervant. C'est un peu répétitif quand même. Ah voilà, il y en a un petit bébé, et ben on va le tuer sans répit. Et voilà ce qui va nous permettre de gagner des points d'expérience et de bientôt terminer la phase créature. Alors 150, c'est pas assez. Peut-être que je resterai un petit peu plus longtemps en phase créature, mais peut-être de manière hors caméra pour tout simplement. Améliorer au mieux mon espèce parce que bon, je voudrais pas. Peut-être que je passerai des petits passages en accéléré. Alors, eux, ils ont l'air faibles. On va les dézinguer. Les bubbles. Ils sont faibles et ils vont mourir sous la folie du émigrator. La cruauté du émigrator. Allez. Hop là. Pam, pam. Ouais, on est vraiment une espèce de salaud, on tue vraiment tout ce qui bouge, mais en même temps, bon. On aurait pu aussi choisir d'être une espèce sociale, il n'y a aucun souci, mais comme dans Tropico, j'avais été plutôt un bon dictateur, eh bien là, j'ai décidé d'être une créature cruelle. Pour changer, c'est. c'est sympa. Alors. On a 176 points. Il faudrait annihiler encore une espèce ou deux. Combien de temps il nous reste? Ah, 23 minutes de vidéo. On va s'attaquer vraiment aux faibles. Pas prendre de risques. Alors ça rapporte moins de points, mais c'est un peu une technique de lâche aussi. Ça rapporte moins de points de compétences, mais bon, tant pis, hein. Oula, petit ralentissement là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Je regarde toujours mes points de vie. Ils sont nombreux. On va manger. On les a détruits. Voilà. 200 points. Alors ça c'est sympa. On n'aura pas de quoi acheter un truc niveau 4. Mais on va peut-être évoluer, essayer de voir ce qu'on a débloqué au niveau vitesse, etc. Parce que là, on est vraiment lent. Donc, je vais peut-être essayer d'évoluer en ce sens. Voir. J'ai vu qu'on avait débloqué des pieds qui étaient peut-être plus intéressants à mettre. Parce que là, je trouve qu'on est toujours vitesse niveau 1. Et on est supra lent. Donc, c'est énervant. Mais petit à petit, on s'en sort.
J'adore ces petites danses, c'est quand même plein de petits détails super sympas, comme la plupart des jeux Maxis, de toute façon, même SimCity 4, c'était plein de petits détails super sympas, super drôles, et les SimCity 5 a l'air d'être vraiment encore plus barré dans certains aspects, donc en espérant que ça ne nuise pas un petit peu. Alors moi c'est des pieds que je veux. Parce que là j'ai vraiment des pieds de base. Non, donne-moi des pieds là. Hop là, on a 225. Furtivité, vitesse niveau 3. Ouais, on n'aura pas de quoi acheter le niveau 4, parce que c'est 250, mais déjà on peut prendre des pieds humains. Qu'est-ce que ça nous donne? Danse niveau 4, furtivité niveau 4 et vitesse niveau 3. Sprint niveau 3, ah ça c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Pour le parce qu'on est on va plus vite et on a la compétence sprint. Donc c'est plus intéressant dans. Il nous reste 75. Peut-être qu'on peut encore acheter un truc cool à 75. Ah, ce serait bien qu'on ait ça. Je vais certainement attendre. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, l'épidèle. 75. Si on vend ça, ça nous fait 150. On peut acheter les nouvelles ailes. Hop là, des ailes de dragon. Oh, ça c'est pas classe. Regardez-moi ces ailes de dragon. Je pense qu'on restera avec celles-ci. Parce que celles-là sont trop chères. Donc voilà. Oh là là, regardez comme on a la classe quand même. Avec ces ailes de dragon, c'est Skyrim. Voilà. On fait un peu Reptincelle. Donc, j'ai toujours pas changé la couleur parce que j'aime bien. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va clôturer cet épisode. C'est notre évolution en dragon sanguinaire. À trois yeux avec des fangs, des cornes. Mais c'est pas mal, on s'en sort pas mal. Je pense qu'à terme, je me supprimerai le crachat parce que c'est vraiment pas une compétence que j'apprécie. Ah oui, on va quand même plus vite, on a plus la classe. C'est nettement mieux, hein. Écoutez, on va. Eh bien, cela, si je tue encore une espèce, je vais passer au niveau créature. Donc voilà, je vais conclure cet épisode ici et on passera au niveau suivant la prochaine fois. Un peu de suspense, ça vous fera du bien. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Admirez notre super dragon de la mort à trois yeux, le Emigrator, qui vous dit toujours au revoir avec son petit mouvement de tête sympathique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis!